ministère avant. Jésus-Christ est bien notre roi, que la gloire nous revient. En tout temps, nous célébrons le nom de la victoire. Le nom de Jésus-Christ. Ordonne-lui la pointe de notre secours. Et personne ne pourra annuler la promesse qu'il a faite à son peuple. Il s'oppose à qui pourrait s'opposer à ses desseins. Même sur cette terre, Romains 9, verset 28 dit ceci: Dieu exécutera pleinement et promptement tout ce qu'il a résolu. Vous savez, sur la terre, aucune chose ne va rater son accomplissement. Vous savez, à beaucoup qui c'est pourquoi nous nous réjouissons en nous-mêmes parce que nous avons le véritable Dieu. Lorsque Paul avait compris ces choses de Dieu, alors qui réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il s'est encore posé la question. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Une autre personne pourrait répondre. Ce qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, par exemple, l'impudicité. Lui n'abandonne jamais l'impudicité. Et toi aussi, tu dois avoir ta réponse. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Il faut répondre que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quel que soit le combat, comment est-ce qu'il pourrait surgir? Je sais que je suis plus que vainqueur. Et bien, tu vas saluer à l'équipe. Parce que le combat est à qui a mis au pied. Parce que le combat n'était pas à nous. Goliath avait dit ceci: vous présentez un seul homme. Présentez-moi un seul homme de votre camp. Ce qui cet homme-là a l'ongina. Et si cet homme-là vient à me battre, la Philistinie sera comme par vous. Et tous les Philistins vous seront assujettis. Ce qui n'a l'ongina, qui cet homme-là. Et si moi je viens à battre ce Dieu, et vous tous, vous devenez nos esclaves. Dans les combats, on cherchait un seul homme. Nabitumawana Masara Kita Kakolokamotomo. Saoul n'a pas tenu à Bogaki à côté. Et Saoul n'était pas parvenu. Masara qui n'a un homme à Ute qui n'a berger. Parce qu'il y avait un homme qui provenait de la berger. Et tant à Boutana qui avait son père, Isaï. Et lorsqu'il avait croisé son père, Isaï, a dit bien qu'il était à ses frères. Et son père lui envoya d'aller rendre visite à ses frères dans les champs. C'est cet homme-là, David. Et ça dit mon toi l'année David. Qui était le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour accomplir cette mission, la grande victoire que nous avons aujourd'hui. Et pour nous donner la grande victoire aux années en colère. Et pas qu'il est temps pour David à presser Goliath. Sache que lorsque David a renversé Goliath, Israël pour le ma casse. Et tout Israël était fortifié. À côté de ma Philistin. Et ils poursuivirent le Philistin. Donc, anéantir. Et ils ont anéanti le Philistin. Les leurs causent à la peur. Aujourd'hui, tu ne peux pas être dans la peur. Devant un problème. Il faut se dire comment. Parce que Christ a déjà vaincu. Oui, que Christ a l'onaki en nous. Cette victoire, et ça n'est que quand il est mis à la défaite. Et cette victoire a fait que le corps de l'ennemi soit dans la défaite. Donc, il faut toujours garder la position de la parole et s'en dire. Parce que tu as combattu la qui a mis à la nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 2. Nous sommes déjà sur l'église d'Éphèse. Nous parlons déjà sur l'église d'Éphèse. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons à les supplices. Apocalypse 2, verset 1er, tiens, verset 7e. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. 1er, verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous verrez à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de sept chandeliers
dors. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point assez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier et sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolas. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse le Dieu. Ça ne vient pas pour l'hôpital. Et nous allons croire que le Seigneur nous allait pour assister Bissot par sa grâce. Et nous croyons que le Seigneur nous assiste par sa grâce. Donc on t'a mingi la grâce na yé. Et nous comptons plus sur sa grâce. Ils sont nos côtés et leur côté. Et nous-mêmes nous ne sommes rien. Donc des missions qui examinent là sur la tribu sur la carte de ça, nous te voisins. Et nous sommes persuadés que c'est le Seigneur qui nous assiste dans tous les services. À chaque fois, son courrier pour nous par la parole. Et à chaque fois lorsque tu viens écouter la parole, il faut savoir qu'ensemble nous sommes maillés et animés. Et il faut demander à Dieu l'intelligence de cette parole. Que le Seigneur puisse ouvrir la compréhension dans les choses que lui-même Dieu est en train de nous enseigner. Sans ignorer que Israël, le Seigneur lui avait barré le chemin du salut. Le chemin, il y a manque à compréhension. En lui privant la compréhension des choses de Dieu. Ceux qui n'ont pas pu mener une compréhension. Et si le Seigneur prive alors la compréhension de la parole, à cause de sanité, l'homme n'obtiendra pas non plus le salut. Parce que l'écriture des hommes dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Parce que l'écriture dit dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Le corps n'a pas connu. Il a pris au Seigneur. Et c'est fait ça qui colonne. Et sauvé les croyants. Il y a oublié qui s'abandit. Par la folie de la prédication. Il y a une spiritualité. On t'a pas observé. Qu'on ne te trompe pas. Sali et ça n'a qu'à t'enseigner. Le bico et sali n'a qu'à t'enseigner. Ceux qui battent d'ordre sans écriture. Si les gens viennent à tort dans le sens des saintes écritures. Pierre a zolo dans 2 Pierre 3. Bien dit dans 2 Pierre 3. Ce qu'on a partir du verset 14e à 16e. En lisant le verset 14 jusqu'à 16. À partir du verset 14, 15, à zolo où est la grâce où les amis Nicolas et Paul. À partir du verset 15, il voit la grâce qui était dans le frère Paul. Et ensuite, attend ici que. Partout, il y a mal à faire, il y a un autre sens, il y a l'écriture, il y a bon, il y a un être bon. Et après, si il y a un autre, 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 mais à nouvelle conséquence. Mais il a parlé de la conséquence. À ce qui est un autre sens, il y a un autre, 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 il y a et ça dit qu'on a dit que bien aimé mon corps. Un exemple. Hier, j'avais pris un exemple. Et dans la présentation de fruits à Caïn. Donc, dans la présentation du fruit de l'offrande de Caïn. Il venait dans le bateau, que Zambé a zoné ma fruit. Et d'autres personnes ont enseigné que Dieu n'accueille pas le fruit de la terre. Et ça, parmi, il y a autant de sens et de dire. C'est parmi aussi les enseignements qui tordent le sens des écritures. Oh, dans les écritures.
Écritures saintes, or dans les saintes écritures, le Seigneur a dit à qui va fête et année. Le Seigneur avait donné les fêtes dans l'année. Ça avait tout autour du champ. Et c'était tout autour de la récolte des champs. Dans un bon soir, prémisse. Il prenait le premier fruit de la terre, germe, et la chair au champ. Vous présenter. La chair qu'on présentait au commencement de la moisson, au commencement de la moisson, dans Lévitique 23, dans Lévitique 23, devant les sacrificateurs dans le temple, devant les sacrificateurs dans le temple, la fruit où nous avons agréé de l'Éternel. Et ce fruit-là était agréé de Dieu lui-même. Et de l'Obaki aussi. Et on avait aussi dit, bien aimé, il ne faut pas inventer tes propres enseignements. Il faut que l'écriture les a aimés. Tu dois savoir que l'écriture c'est le premier. Les amis, dans l'écriture, achète un cœur. Attends, nous t'aimer, Yahoo. Même si aujourd'hui tu te reposes, Yahoo, ils ont raison. L'écriture a toujours raison. Oublie qu'il faut se conformer, et pour être sauvé, tu dois te conformer à ce que dit l'écriture. Nous tous devons nous humilier devant l'Écriture. Tu vas retenir l'Écriture. Si ces gens tu te poses à cause de ça, tu perds le salut. Sache que tu perds aussi ton salut. Même Jésus-Christ a dit. Même Jésus-Christ avait dit. L'Écriture ne peut jamais être anéanti. L'Écriture ne peut jamais être anéanti. Alors quand on a verset 35 à 36, il y a Jean 10. Jésus avait dit au verset 35 et 36 de Jean 10. Azota dit ça. Il est en train de montrer que l'Écriture ne peut jamais être anéanti. L'icône est aussi possible sa matière. Là, c'est le Seigneur qui dit. Voilà comment on a fait ça. Et on avait montré ceci bien évidemment. Lorsque quelqu'un prêche, fruit, bien, production et chant, et le copé, ça jamais pardonner à péché. Que le produit des champs ne peut en aucun cas donner le pardon du péché. Total, il s'agit de mon tour. Nous sommes tous en train de la limite de la connaissance. J'ai dit que, on avait dit que si tu dis cela, il faut préciser que c'est à la limite de ta connaissance. Mais tu as dit Lévitique 5. Mais on avait pris Lévitique 5. Aujourd'hui, verset 11e à 13e. Le verset 11 jusqu'à 13. Fruit à l'air. Le fruit du champ. Donc, basuille. Et blé. On prend le blé. Mami qui est en haut. Et on le. Et en bas, comme fleur et farine. Et on le moule pour le faire une fleur de farine. L'expiation aussi à péché. Et pour faire l'expiation du péché. Donc, et terminabilité à voir. Et cette écriture s'oppose à tout enseignement. Mon ami, mais à qui n'est moi que ça m'a permis aussi de fouiller à champ. Et puis ça parle à péché. Et pourquoi le Seigneur avait permis que l'expiation se fasse aussi par le fruit des champs? Dans Lévitique 5, verset 11 à 13. Dans Lévitique 5, verset 11 à 13. Est-ce que Jésus est mon beau hasard un grain de blé? Parce que Jésus-Christ lui-même est un grain de blé. Il est mon beau Jésus-Christ. Et lui-même Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15. Dans verset 21 au verset 20. Hasard comme prémisse. Hasard au cours avant Kumayamouira. Kumayamou, Bazouaka. Les prémices des champs, ça m'a volé à côté. Le Seigneur ne l'avait pas agréé. Le Seigneur avait agréé à Jésus. Que ce soit doctrine. Mais lorsque tu prends, c'est une immortelle, mais c'est que le Seigneur a dit maintenant le fruit de Dieu. Tu élèves tout un enseignement pour dire que le Seigneur n'agrée pas le fruit des champs. A dit à menti. Ou alors, le terme là. Ou alors, possible, mon tante. Possible. Tu as vraiment menti le peuple. Place, d'ailleurs, ce qu'on s'est répandu. Et si tu ne ne réponds pas ta place. Dans Apocalypse 21, verset 8. Et dans Apocalypse 21, le verset 8. Tous les menteurs n'hériteront point de royaume des cieux. Par consignant, ce va te s'accolater pour que tu entendes. J'ai insisté dans Genèse 4. J'avais insisté dans Genèse 4. Le Seigneur a donc un rencontre dans la personne. Le Seigneur commence d'abord par à donner aux femmes. Et puis la graille aux femmes. Mais les gens ont versé cette écriture. Le Seigneur regarde d'abord l'offrande et puis la personne. Non. Il y a besoin d'un témoignage. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Rebecca avait des jumeaux dans son ventre. Le Seigneur a talaki Esaou n'a regardé à ma vie. Le Seigneur avait regardé Esaou par un regard en ma vie. C'est ça Malachi chapitre 1. C'est ça Malachi chapitre 1. Verset 20 ou verset 2. J'ai haï Esaou. Daïna ini Esaou. J'ai aimé Jacob. Et Daïna ini Jacob. A talaki Esaou n'a regardé à rien.
Il n'avait pas regardé Esaü avec un état de l'esprit. Esaü n'a et toute la vie d'Esaü sur le soleil. Même s'il sacrifie son enfant, son enfant ne sera jamais. Parce que le Seigneur avait déjà regardé par un mauvais jour. Genèse 4 aussi, c'est comme ça. Et c'est ainsi même avec Genèse 4. Bien regarde d'abord Caïn. Ça fait attaquer à ceux qui ont fait. Pénassimani Gonzalez. Regarde Abel. Attaquer à ceux qui ont fait. Pénassimani Gonzalez. Et là aussi, ce qui nous amène à Yambi au terre. Aujourd'hui, même si le Seigneur ne t'agrée pas, abominateur bizarre, il n'agréera pas non plus tes œuvres. Il faut d'abord avoir amour. Justifier. Il faut d'abord qu'il puisse le justifier. Et avoir l'iniquité dans ta vie. Expier l'iniquité dans ta vie. Après, après les œuvres que tu feras par la suite, puisse lui donner la joie. Que ce n'est pas grâce qui nous a sauvés. Enfin, que tu affirmes que c'est par grâce que je suis sauvé. Lorsqu'il te regarde avec un regard de miséricorde, à délivrer, il te délivre, à guérir. T'accepte alors pour accepter sa justice. Alors il va aussi agréer ton enfant. Là, ton jeune homme, exemple pour la montagne, ça, comment les gens vont tordre le sens à l'écriture. Là, on avait pris l'exemple pour montrer comment beaucoup tordent le sens des écritures. On va dire aussi, on avait aussi dit ceci. Appel à sa propre collaboration. Appel d'élever le troupeau. Mais n'attends pas la parole mon solitaire. Mais en ce temps, on ne mangeait pas la chair du troupeau. Mais n'appel à sa propre mais comment tu veux Abel? N'a pas la dans la maison du Seigneur, celui qui était cultivateur, c'était Caïn. Donc, pour appeler à son matasse, pour qu'Abel obtienne la force, il faut aller à fruit du champ. Il faut qu'il puisse manger le fruit. Parce que Goliath a souligné ça, il a mis après les luges. Parce que manger la chair a été permise après les luges. Donc, oh yo, Caïn a commencé à la le travail qu'il faisait Caïn. Nous avons fait sa belle force et nous avons donné la force à Abel après le travail. Et c'est pourquoi il y a encore la nourriture. La nourriture que Jésus-Christ est le véritable appel à Zalakinayo. La nourriture que Jésus-Christ est le véritable appel à Abel. À le bien mon Jean 4. Et lui-même dit dans Jean 4. C'est la volonté du Père. Les amis mon calme et à ta tête. Cette volonté est écrite dans la loi des psaumes et des prophètes. Mais mon calme est comme un qui m'a coupé, il a voulu comme ça occupé par Zéro. Et ces écrits, peut m'accourir. C'est la nourriture d'Israël. Et Zali même il est Yahweh Salé. Et Jésus va manger. Et Jésus-Christ va bien dire, Dieu vous bénisse, ça ne vient pas mon ami. Et nous avons sacré par la grâce de Dieu. Et on avait avancé par la grâce du Seigneur. Dans l'Apocalypse, dans les versets premiers de l'Apocalypse 2. Vous parlez du verset premier de l'Apocalypse 2. Comment on a dit que c'est le Seigneur n'a pas se présenté. On avait vu que le Seigneur, c'est lui qui s'était présenté. Et présentation, hein? Et cette présentation, vous remarquez, qu'est-ce que nous avons remarqué? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous venez à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le sept étoiles dans sa main droite. Donc, celui qui marche au milieu de cette chandelles. Pour parler à qui n'a pas de comprendre, on avait d'abord commencé par comprendre. Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Et au Québec, il y a un verset 12e. Alors on était allé au verset 12. Non, 13e. Et le verset 13. Il y a Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. On a versé 12e Apocalypse chapitre 1er. Avec verset 12 Apocalypse chapitre 1er. On commune à verset 13. Le verset 13. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une robe. Et payant, il se dit d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Tout la vie le corps à laine blanche. Voilà comment on a la 7, ce qui t'a suivi. Là, nous allons le voir dans la main 7 par l'assistance. Comme de la neige. Le corps à ses yeux étaient comme une femme de feu. Ses pieds étaient semblables à la reine Adam. Comme
exprimé, il y était embrasé dans un problème. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Le bruit des grandes eaux, ça va dans Ézéchiel chapitre 1er. Le bruit des grandes eaux, c'est le tout dans Ézéchiel chapitre. C'est la voix du Tout-Puissant. Et ça dit, verset 16e maintenant. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc, portion, hein, dans cette portion, il y a verset 16. Verset 16. Et ils ont dit ça, que le fils de l'homme était moi dans mon tour. Azaraki, dans sa main droite, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il faut qu'on respecte Misala et Jésus-Christ. Tu dois savoir respecter les attributs de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils de la vie. Jésus-Christ est le fils de la vie. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 32. Je prends le livre de Luc, chapitre 1er, verset 32. Luc, chapitre 1er, verset 32. Luc, chapitre 1er, verset 32. J'ai le nom de Jésus-Christ. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, dans le monde, Christ, fils de David, lorsqu'on parle de Christ, le fils de David, il est là qu'il dit au héritier à tout. Mais sache que cela parle seulement de l'héritier du trône. Oui, ça, le royaume. Donc, le royaume, Azar, fils de David. Donc, il est le fils de David. Azar, fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. On suit Romains chapitre 1er. Vous prenez Romains chapitre 1er. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Tiens, verset 4. Jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Atani, Nakoua, Kole, Soukis. Avant d'attendre, avant que je ne dise, je pose une question et puis à répondre. Je pose une question et je vais répondre. Jésus est né combien de fois? Yeshua Otama Balakoni. Avec les écritures à l'appui. Namakoni Otakisa. Galates 4, verset 4 le Bible. Galates 4, verset 4 dit ceci. Tant que le temps est là qui a compris. Lorsque les temps ont été accomplis, Christ a botami na. Sous la loi, les divines viennent. Donc Christ, Dieu a envoyé son fils, mais sous la loi, les divines femmes. Donc, apportez-moi la zéra et à voici. Donc, le Christ est né par la voix d'une femme. Voilà sa naissance au moment où il est venu à l'autre. Là, c'est sa naissance physique, comment est-ce qu'on la vit marcher. Mais à la naissance, nous sommes pour la sauter en acte 13. Mais il y a une autre naissance que Paul nous prêche dans acte 13. Ensuite, à partir du verset 33, je prends partie du verset 33. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nathan qui n'a pas volé sur Christ. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Ça a été accompli si on peut la vie sauver. En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume des siens. Donc, tant où Jésus a saussé quoi? Lorsque Jésus ressuscite. Écriture est pour s'accomplir dans le siècle. L'écriture qui s'accomplit lors de sa résurrection. Et ça, dans le psaume 2. C'est tout dans le psaume 2. Maintenant, les frères Paul a son appelé l'écriture. Maintenant, les frères Paul nous rappellent cette écriture. Oh, ils ont appelé sa résurrection à Christ. L'écriture qui nous parle de la résurrection. Qui est mon fils. Vous savez, moi, la mère, mon père. Toujours dans le verset 33e et acte 13. J'étais engendré aujourd'hui. La résurrection à Christ est une naissance. L'issue pour la Christ, c'est un livre de Botama. À Botama qui est souffert. Il était né encore lui. Maintenant, à Botama, l'issue pour les Botama. Mais comme la résurrection est une autre naissance, Romains chapitre 1er, lui. Romains chapitre 1er dit ceci. À partir du verset 1er, j'ai dit. À partir du verset 1er, j'ai dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, au sein de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Bien amis, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Oui, la par
par ses prophètes dans les saintes écritures. Et qui conserve son fils né de la postérité de la vie sera ma chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc Paul a prêché que la résurrection à Christ ils ont confirmé Christ né d'entre les morts. Donc le Christ qui est né d'entre les morts. Il y a aussi Jean l'Ovalier. Et c'est ce que Jean aussi avait dit. Avant a toujours, il sait quoi? Il appelle toujours la résurrection naissance. Comme une naissance. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. En verset 5. Au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attends, il n'a pas Christ. Azor Baboué. Il dit ceci. Verset 5. Le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le premier né des morts.